RTL Matin, le surf de l'info. À 8h19, Cyprien, vous surfez avec Martin Fourcade, notre champion de biathlon. Oui, il revient dans la lumière, mais alors, pèse sur les skis, sur les planches. Ladies and gentlemen, are you ready? Yeah, Martin Fourcade, il se lance dans le one-man show, figurez-vous. Alors, ça peut surprendre comme ça, mais il y avait quand même des signes. Exemple, après une course en zone d'interview, quand un coéquipier lui pose cette question. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux? Eh bien, en direct, sur l'équipe TV, ski en main, vous le voyez venir, il Philippe. Venir. Il avait répondu. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie, aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment, où je ne pouvais et pas. Et ça dure 40 secondes comme ça, en train de réciter à la télé en direct tout le monologue d'Edouard Baird dans Astérix. Je vous ai fait un petit montage. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que les hasards, non, mais les rencontres... C'est facétieux, le champion Fourcade. Oui. Toujours prêt à raconter une blague face caméra entre deux courses. Alors, c'est un père qui achète dans un supermarché un robot complètement singe. Il rentre chez lui... Bon, alors, je vous l'épargne, parce qu'elle est quand même... pas top top et qu'elle dure un peu longtemps. Hein. Mais vous voyez un peu le personnage, quoi. Oui. Après, c'est toujours compliqué, le changement de carrière. Il y a ceux pour qui bah, ça marche super bien, comme lui. I'm not a man. I am Cantona. Cantona, hein, 25 films, dont un avec Ken Loach, en ce moment sur Netflix avec le film AK. Oui. C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit. C'est d'un garde du corps. Énorme carton sur Netflix. Le film AK est devenu le film français le plus vu dans le monde sur la plateforme. Changement de carrière modèle. Et puis, il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, comme Franck Leboeuf, dans le ciné depuis un bon moment déjà. Hein. Ça fait 15 ans maintenant. 15 ans, hein, la difficulté de tourner en France et de se décoller une image, comme il l'expliquait sur RTL. Mais même les directeurs de casting ne font pas passer les castings parce qu'ils disent « Mais non, mais lui, il n'est pas acteur, il est footballeur. » Oui, c'est périlleux de se lancer dans une nouvelle carrière. Responsable de casting. Évidemment. Parlez-en donc au journaliste Christophe Ondelat qui, lui, a essayé de chanter. Christophe, oui, c'est dommage. Dr. House, c'est pas Mickey Mouse. Et Martin Fourcade, c'est pas n'importe qui non plus. Alors, hors piste, son one-man show, ça sera partout en France, à l'automne. Merci beaucoup.